Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une des vidéos que vous préférez, car on se retrouve pour un unboxing de mes cadeaux de Noël. Et évidemment vous savez que les cadeaux de Noël c'est souvent des cadeaux de Noël de luxe. Du coup on se retrouve pour ce type de vidéo aujourd'hui. À l'occasion de cette vidéo, donc je suis en collaboration avec une marque de joaillerie qui s'appelle Tie-Dye, une marque du coup de joaillerie plutôt accessible. Je m'explique, évidemment je vais vous faire un unboxing. J'ai ici avec moi mon petit colis que je viens de recevoir, avec à l'intérieur je pense vraiment des pépites qui valent le coup. Je vais pouvoir vous présenter du mieux que possible la marque. Je tenais vraiment à faire cette collaboration car je trouvais le concept très très bien. Pour vous expliquer en quelques mots, c'est une marque qui veut révolutionner le diamant et rendre la joaillerie de luxe plutôt accessible. Je m'entends par accessible car le prix de vente ne dépasse généralement pas les 1 000 € par boucle d'oreille. Évidemment, tous les bijoux sont en or, or blanc, or jaune ou or rose gold. Ils travaillent à partir de vrais diamants et ils utilisent du green gold. Ils sont dans une démarche de fabrication qui est green, ils sont très soucieux de l'environnement, etc. Donc j'adore d'autant plus le concept de la marque parce que vous savez qu'en ce moment je suis très consciencieuse de l'environnement et que je veux en prendre soin un maximum possible. Je tenais absolument à faire l'unboxing direct live avec vous pour que vous puissiez découvrir vraiment la qualité, même rien que du packaging, pour que vous voyez à quel point il y a une volonté de faire bien, une volonté de faire vivre une expérience d'achat en étant uniquement basée sur un site web. Donc quand on ouvre le colis, ici il y a décrit ready to join the diamond revolution. Déjà j'adore. Et ensuite vous voyez on a la petite box à l'intérieur, donc juste sublime, vraiment trop trop belle, j'adore. Ici ils m'ont glissé deux petits mots, brille juste pour toi. Et ensuite Alicia, bienvenue dans la famille. On a tellement hâte de voir comment tu vas briller avec nos diamants et nous sommes très excités de voir que tu as accepté ce partenariat et enjoy. Et c'est Tornella qui m'a envoyé ce colis, donc vraiment regardez-moi cette beauté. Ici on a l'effigie de la marque, juste sublime. Je vais ouvrir ça avec vous. Du coup à l'intérieur, matériaux les principaux utilisés pour la fabrication des bijoux, je vous montre juste ici. De lab grown diamond, de l'or 14 carats solide. Et le fait que les bijoux sont faits main, car effectivement je n'ai pas précisé, mais tous les bijoux sont faits main et ça c'est extraordinaire. Donc on ouvre tout ça ensemble. Il y a écrit sur le sticker something special. So I'm gonna open the box. The package. Ok, waouh, trop trop beau. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable. Genre juste sublime. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un par un pour voir ce qu'il y a. J'ai aucune boucle d'oreille, je voulais absolument tout vous montrer. Donc vraiment ça va être trop trop bien. Donc premièrement on a cette petite housse juste sublime. On est sur une matière soie, vraiment incroyable. C'est une qualité, on dirait un petit coussin, j'ai juste envie de dormir dessus, c'est incroyable. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Trop chou. Ils m'ont mis un petit chouchou en soie à l'effigie de la marque, juste canon. Et on a un petit miroir très 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 mignon. Très 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 mignon, toujours à l'effigie de la marque. C'est des petits goodies qui font toujours plaisir à glisser dans son sac, c'est hyper pratique. En plus, il est pas mal, on se voit très bien. Hein, il a le bon format. On a encore deux petits paquets à ouvrir. Oh génial, c'est génial. C'est une petite boîte pour venir ranger tous les bijoux. Donc ici je pense que c'est les boucles d'oreilles. Ici ça doit être peut-être les colliers, vous savez, pour le pendentif. Et c'est ouf, genre j'adore. Tout en cuir, ça a l'air d'être du vrai cuir. Toujours à l'effigie de la marque Tie-Dye. Genre vraiment incroyable. C'est écrit juste ici aussi, genre trop chou. Et enfin la dernière, et je pense celle qui renferme les petites pépites. Déjà regardez s'il vous plaît cette sublime housse, elle est incroyable. Là j'ai le certificat Tie-Dye. D'ailleurs ce que je voulais à tout prix vous préciser et que j'ai trouvé ça hyper intéressant, vous savez que moi à la base je suis je le suis toujours, j'ai un eczéma de contact, tout ce qui n'est pas
or 100%, etc. Donc cette marque me correspond vraiment à 100% parce que vous savez que sur ça je suis très 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 pointilleuse, mais je n'ai pas le choix, je fais des réactions à tout. Et pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que là on est sur de l'or 14 carats, on est sur du diamant, donc c'est vraiment des matériaux de qualité et très précieux. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est qu'on peut apparemment tout faire avec les bijoux, c'est-à-dire se baigner, se laver, faire du sport. Ils sont vraiment apparemment hyper résistants et ça c'est top. Genre vraiment, c'est incroyable parce que je sais que pour de la joaillerie fine, généralement, c'est un enfer ça, car ils se cassent, il faut pas les mettre sous l'eau, il faut les enlever. Enfin, c'est horrible de devoir toujours enlever nos bijoux pour vivre, c'est insupportable. Donc du coup, ensuite, je pense que c'est idéal dans cette petite boîte qui fait effet de bouc, qu'il y a les petits bijoux. On va l'ouvrir ensemble. Juste sublime. Can't wait to see a new. C'est juste trop cute. C'est oufissime, incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Trop, 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 trop beau. Donc, j'avais sélectionné celle-ci car je l'ai trouvée un peu plus festive et que c'était pas mal. Celui-ci, je savais pas, c'est une surprise et je le trouvais dingue en plus. Mais vu que j'avais un choix de pièces à respecter, je l'avais pas sélectionné, mais apparemment c'est un cadeau parce qu'il y a plus de pièces que ce que j'avais sélectionné. Et ensuite, une petite puce d'oreille en diamant. Et celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'un là, le 3 pièces ici, et les deux autres ici. Trop bien. Celle-ci, je vais essayer de vous la montrer. C'est que sur la tige, on a des crans pour pouvoir en fait sélectionner à quelle longueur on aimerait que la boucle d'oreille soit. C'est tellement beau. Ensuite, je vais mettre ce sublime collier. Waouh! Il est juste trop trop beau. D'ailleurs je ne voulais pas préciser, mais pour tous les bijoux, moi j'ai sélectionné de l'or rosé car c'est ce que je porte constamment. Et donc du coup, j'ai enfin compris à quoi servait ce petit bijou là. En fait c'est que ce collier là, ici on est sur des diamants sertis à l'intérieur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit passe par lequel on peut glisser le bijou. Et donc ça nous permettrait donc de soit partir sur celui-ci avec les 5 diamants, ou soit partir sur celui-ci avec les 3 diamants. Donc ça c'est pas mal parce que ça peut nous permettre une esthétique différente selon notre humeur, de pouvoir changer l'esthétique de notre bijou. Donc vraiment incroyable. Les filles, si vous avez des questions sur la marque, mon avis, etc., n'hésitez pas. Et vraiment, je trouve que cette marque vaut le coup de joaillerie parce qu'aujourd'hui, on a que des marques de joaillerie qui sont dans des prix exorbitants. Vous savez comme moi qu'avec l'inflation, les prix augmentent. Aujourd'hui, cette marque a vraiment sa place car elle permet d'avoir des produits d'exception, de qualité exceptionnelle, avec des matériaux précieux et en fait avec des prix quand même abordables. Je vous ai pas précisé tous les prix dans la vidéo, mais je vous ai dit que c'était généralement compris entre 350, 390 premier prix jusqu'à 1000, 2000, etc. Mais toutes les pièces que j'ai aujourd'hui sur moi sont dans les alentours de 500 euros, et ça c'est vraiment top. Ça nous permet d'avoir vraiment des bijoux magnifiques à des prix quand même abordables pour de la joaillerie d'exception. Donc n'est-on pas là que pour parler de Idol? Aujourd'hui, on est également là pour découvrir tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu. Et pour l'occasion, j'ai été extrêmement gâtée. Vous attendez tous plus ou moins cette vidéo parce que je sais qu'hier j'ai posté une story et qu'une de mes abonnées m'a dit c'est les unboxings de cadeaux de Noël. Et donc oui, on est là pour ça en seconde partie de cette vidéo. Et donc vous allez voir que j'ai été plus ou moins gâtée. On va commencer par cette boîte là, si je peux me permettre. Je pense que vous avez reconnu le logo et il s'agit évidemment de Prada. Et chez Prada, j'ai eu, alors j'en rêvais de ces chaussures, j'en rêvais vraiment, 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 vraiment. Je sais pas si vous allez avoir une petite idée, me connaissant, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il s'agit évidemment des chaussons de chez Prada. Ils existent dans deux colorés, dans deux combis de déclinaison. Moi, personnellement, j'ai choisi cette couleur-là parce que j'adore. Genre, elles sont juste sublimes. Rien que de les voir comme ça, je suis amoureuse de ces chaussures. Elles taillent grande. J'ai pris du coup une taille 37. Regardez-moi les détails. C'est juste dingue. Genre, oufissime. C'est oufissime. Vraiment, j'adore. Je suis tellement contente. Elles sont extraordinaires. Elles sont juste super pour le prix. Elles ont coûté 920 euros et j'ai sélectionné du coup le coloris
cognac. Genre vraiment je suis fan. Évidemment je vais vous montrer après porter ce que ça donne avec des petits inserts Pinterest, parce que je pense que c'est inutile que je vous mette mes petits pieds en vidéo. Mais genre juste sublime. Genre je suis tellement contente. Genre vraiment dingue. J'ai trop hâte de faire des looks avec du jean, des leggings, des jogs avec Orsay. Oh, elles sont trop belles. Bon, le seul inconvénient c'est que c'est du nubuck. Donc du coup il va falloir les imperméabiliser. Il va falloir que je sois très vigilante. Donc pas que je les abîme, etc. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ces beautés? Est-ce qu'on peut? Non, papa. Ils sont sublimes. Je les adore. Donc ça, c'est le premier cadeau de luxe que j'ai eu. Deuxième, je ne sais pas si vous avez reconnu la couleur de cette boîte. Il s'agit bien de Gucci. Et c'est mon premier achat. Enfin, mon premier achat. Mon premier produit que je vais avoir de chez Gucci, on va dire en maroquinerie. Oui, je spoil un peu, je vous dis que c'est de la maroquinerie. Mais est-ce qu'on peut parler de cette boîte comme elle est magnifique? Est-ce qu'on peut? Elle est vraiment magnifique. Elle est dans un style un peu baroque, sublime. Donc on l'ouvre. Elle est plus grande que moi la boîte. Comme ceci. À l'intérieur, nous avons le dust bag que je vais vous montrer. J'adore les couleurs du dust bag. C'est très très moi en ce moment. Nude et noir. Vraiment sublime. Sublime. Genre vraiment incroyable. Oh, j'adore, je suis fan. Je suis fan de les cadeaux de Noël. C'est incroyable. Donc il s'agit du sac épaule Aphrodite de chez Gucci. Je vais vous montrer la pépite. Donc juste sublime. On est sur un cuir grainé noir. C'est le mieux, moi c'est ce que je préfère. C'est celui qui résiste le mieux dans le temps. Et je ne sais pas si c'est le grand modèle ou le moyen, parce que je n'ai pas la facture, c'est mes parents qui l'ont, étant donné que c'était un cadeau. Vraiment amazing. J'adore ce sac, il est juste sublime. Et ce qu'il y a d'encore mieux, et pour le coup je trouve que pour une marque de luxe on est quand même sur un prix qui n'est pas exorbitant, parce que ce qu'il y a de bien c'est quand même on est sur du Gucci, on est sur du luxe. Vous savez que tous les prix ont pris 10 à voire 15%, et on est sur un sac qui est resté, si je me trompe pas hein, si c'est la bonne taille, sur 1790 €. C'est un très beau montant, je le sais, mais ce que je veux vous dire c'est que quand même on est quand même sur un prix qui est assez abordable, contrairement à des marques comme Chanel. Et pourtant on est sur un sac qui est totalement en cuir, il n'y a aucune partie du sac qui est en tissu, donc c'est extraordinaire. Donc on a ici le petit aimant pour ouvrir le sac, il est sublime ce sac. Et à l'intérieur on a donc le papier que je n'avais pas levé parce que je voulais en prendre soin, et on a une énorme pochette juste ici. Néanmoins ce que je voulais absolument aussi ce que je voulais vraiment vous présenter aussi, c'était que vous voyez ici on a une première sangle avec une première boucle. Il y a deux géniales avec ce sac, c'est qu'en fait j'ai plusieurs bouts de cuir qui peuvent du coup permettre d'avoir une anse plus courte, moyenne et grande, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ici vous avez les deux sangles supplémentaires, donc canon, qui peuvent même faire office de ceinture. En plus c'est vrai, je peux les porter en ceinture. C'est rigolo. Un sac et une ceinture Gucci. Why not? Je n'avais pas eu l'idée, mais pourtant, elle me va. Incroyable. Et donc, du coup, hop, je vais vous montrer, à vous faire des bêtises. Je peux, donc, du coup, venir décrocher cette anse-là, accrocher l'autre et réaccrocher là. Donc, en avoir une plus grande, en avoir une moyenne et en avoir une petite. Donc incroyable. Et d'ailleurs je peux aussi attacher les deux ensemble et en faire une extra longue. Donc vraiment génial. Et ça c'est top parce qu'on est quand même sur un sac à 1790 €. Je sais c'est un réel budget, mais avec tous ces bouts de cuir, honnêtement c'est la première fois que je vois un sac autant de qualité pour seulement 1790 €. Surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment là pour du luxe luxe avec une vraie image de marque, c'est incroyable. Je suis tellement contente de ce sac. Et pour finir cette vidéo, et je sais qu'elles sont très attendues, là on va être sur du luxe également avec une marque qui existe depuis des années, tout le monde la connaît, et c'est la marque Longchamp. Là c'est un cadeau de moi à moi. On va dire, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été invitée à l'inauguration de la nouvelle boutique Longchamp sur Aix-en-Provence il y a un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Et il y a eu un jeu concours à l'arrivée, donc on nous est participé à un jeu concours, il y avait des bons d'achat à gagner. Et mystérieusement j'ai gagné un jeu concours et j'avais un bon d'achat de 150 €.
à Valoir, donc dans la boutique de Longchamp pendant plus d'un an. Et donc du coup j'ai flashé sur une paire, et c'est une paire de bottes de pluie. J'ai galéré à les avoir, pour vous dire, j'y suis allée, il n'y avait pas ma pointure, elles sont rupture mondiale. Et finalement, vu que la dame m'a reconnue, etc., la responsable de la boutique, ou je ne sais plus qui exactement, enfin je ne sais pas exactement quel est exactement son poste dans la boutique, du coup sur le Cours Mirabeau Longchamp, mais elle m'a reconnue, ils ont réussi à me les faire venir. Ce qui est extra, c'est que ce qui est extra, parce que franchement je les voulais vraiment, et ça aurait été dommage de pas les avoir, parce que vraiment je trouve que le côté j'adore ce modèle. Donc elles sont à un prix de 190€ prix de vente. Il y existe deux coloris différents. J'ai choisi de la surtailler, c'est à dire que normalement ma pointure correcte aurait été un 37. J'ai pris un 38 pour qu'elle soit un peu plus lâche au niveau du mollet. Je voulais pas quelque chose de trop près du mollet. Je préfère quand même préciser, c'est pour les mettre tout le temps. Le vendeur m'a dit que les blanches pouvaient jaunir plus facilement, donc à faire attention. Et je vous montre le paquet juste maintenant. Ne soyez pas surpris s'il n'y a pas la boîte. C'est car en fait les personnes qui l'ont envoyé, enfin les vendeurs qui l'ont envoyé de Paris, Champs-Elysées à Aix-en-Provence, avaient scotché la boîte. Donc c'est pas grave, j'ai que 2 bagues, mais c'est déjà très bien. De toute façon les boîtes, j'en ai 1 million. Comme vous pouvez voir là, j'en ai pas mal. Voilà le gros sac avec les petites merveilles à l'intérieur. Je vais sortir tout ça. Hop. Le dust bag à l'effigie de la marque, et je vais vous montrer les pépites incroyables. Regardez-moi ça. Ne sont-elles pas sublimes? Elles le sont. Je suis vraiment ravie. Donc on est sur du plastique, hein. C'est des vraies bottes de pluie. Ici on a le logo Longchamp. Genre vraiment pépites, je les adore. Je vais les passer et je vous montre. Incroyable. Elles sont sublimes, je les adore. Sont hyper souples et hyper confortables. Elles sont doublées à l'intérieur, évidemment. On n'a pas le pied dans une botte de pluie, hein. Je vous rassure, c'est une matière un peu tissu là. Vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et elles sont hyper légères, donc vraiment trop bien. Pour 190€, vraiment on a des super belles bottes, donc vraiment je suis ravie. Donc du coup, on a terminé pour cette vidéo. Elle est terminée. Ça y est, on a fini les cadeaux de Noël. Vous arrêtez plus, il y a mon anniversaire qui arrive dans peu de temps. Mais vraiment je suis ravie de tout ce que j'ai, reçu, tout ce que je me suis offerte, tout ce que l'on m'a offert. Vraiment ce sac est sublime. Ces chaussons sont sublimes. Et on n'oublie pas les boucles d'oreilles qui sont juste incroyables. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous tourner cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!